Salut à tous, c'est Jesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour la mise à jour 4.3 et le test du nouveau personnage Navia et après une séance d'invocation pour débloquer le nouveau 5 étoiles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et voici le test des personnages. Nous avons un sorte de... d'événement. Je sais pas ce que c'est. Essayez, c'est l'adopter. Et voici le nouveau personnage 5 étoiles, Navia. Voici son arme, qui est plutôt balèze. Ok. Voyons ce que ça donne. En tout cas, son design est plutôt stylé, hein. Petit parapluie, hein. Ah ouais, c'est comme un fusil. Wow, les dégâts! Ah, mais elle est puissante! Pardon? Wow! Eh ben... Non mais... Je peux savoir c'est quoi ce personnage là? C'est quoi ces dégâts de cheaté là? Eh attendez, j'ai pas utilisé Bennett hein. Ah bah comme par hasard c'est là qui a fait moins de dégâts. Ah c'est que j'ai plus de stack. Eh ben voilà, c'est déjà la fin du test. Eh ben... J'ai rien compris au personnage, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, mais Navia est extrêmement puissante, quoi. Et bah, vous savez quoi? Bah, je crois que je vais aller l'invoquer, au final. C'était pas prévu, mais... Waouh. Bah voilà, c'est la fin du test. Donc, voici les nouvelles bannières. La bannière de Navia. Là, nous avons la bannière de Ayaka. Et voici la bannière des armes. Donc, je comptais invoquer sur Ayaka pour avoir la C1. Mais... Waouh, le test de Navia m'a convaincu, je vais l'invoquer. Ah ouais, son gameplay est plutôt sympa. Ça a été rapide, mais les dégâts qu'a fait, waouh. En général, surtout les tests, les dégâts, c'est pas censé être ouf. Hein. Donc imaginez, hein. Donc je suis à combien de pity, moi? Je suis à 5 de pity, et la dernière fois, j'ai eu Furina. Donc je vais faire 5 invocations jusqu'à 10, et après je ferai des multi. Donc 6. Ok, Candace. Et de 10. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis en 50-50. Donc passons à 20. Et bah, un légendaire. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tu m'as fait peur. 17. 18. 19. Ah, bon bah, j'ai eu Jean. À 19 invocations. Ok. Et donc 20. Ok, j'ai eu Jean. En plus, c'est la première fois que je l'ai. Bon, j'ai perdu mon 50-50. Putain, c'est la deuxième fois que je perds un 50-50 en très peu de temps. J'avais pas perdu de 50-50 depuis quasiment bah, des années. Après, j'invoque pas tout le temps. En même temps, c'est normal. Bon bah voilà. J'ai eu Jean à 19 invocations. Donc je suis passé à 1. Bah je vais continuer hein. Je viens à peine de commencer. Donc ça veut dire que là je suis garanti d'avoir Navia. Bon on va faire comme si que je suis à 0 invocation hein. Même si je suis à 1. Donc 10 plus 1. Candace encore. Passons à 20. Encore Candace, et ben. Et ben les 4 étoiles là.
Eh ben, les 4 étoiles encore, sucrose. Bah, il y en a eu des 4 étoiles, là. 4. 30. Sucrose. Sucrose, je les full constellation. 40. Ouais, c'est bon, Candace, là. Cinquante. Rosalia. Soixante. Eh ben, Candace. Eh ben, Candace. Ah voilà, je les full constel maintenant. 70. Ok. Je vais acheter quelques vœux dans la boutique. Et 81. Et le légendaire. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81, et voici Navia. 81, invocation. Bah voilà. Bon, comme j'ai perdu mon 50-50, c'est normal qu'elle soit là. Et voici mon nouveau perso, Navia. À 81, invocation. Bah voilà. J'ai eu Jean à 19 invocations, et Navia à 81 invocations. Ça aurait pu être pire, hein, mais ça va. Mais Navia, j'avais pas prévu de l'invoquer, mais le test m'a convaincu. Waouh! Donc voici ma petite Jean que je viens de débloquer. Et voici ma Navia, le nouveau personnage. Qui est plutôt stylé quand même. Count me in. Voilà. Voici mon nouveau perso, Navia. Et elle se trouve où? En prison! Et ben voilà! Qu'est-ce que t'as foutu? Et j'ai pas de tatouage sur le dos pour m'évader, hein. On n'est pas dans Prison Break. Ah ouais, avec classe, hein. Bon, l'épée, elle est éclatée au sol, hein. Je sais pas ce que je vais lui mettre comme arme, hein. Boum! On retire! Bah voilà, nouveau perso Navia. J'ai raté mon 50-50 tellement rapidement que ça a pas été compliqué d'invoquer juste après, hein. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est classe! Avec les lunettes, la blague! Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le test du nouveau personnage Navia et sur la séance d'invocation. Sur ce, à la prochaine!